Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pascal. Ben oui! Puis aujourd'hui, je vous présente mes achats que j'ai fait à Québec. Ben oui, il y a un petit haul, puis ben ça va être ça. C'est plus une vidéo féminine, mais la semaine prochaine, je me reprends, inquiétez-vous pas. Il va en avoir pour les gars aussi. J'ai pas beaucoup été magasinée, mais j'ai beaucoup trop dépensé pour mon budget. Premièrement, je suis allée chez Marshall. Puis, je me suis trouvé un petit chandail rouge pour l'été avec des fleurs. Moi, j'adore les fleurs. Fait que si je peux porter des fleurs puis me prendre pour une fleur, c'est parfait. Le chandail, c'est un petit off the shoulder comme ça. Puis, on s'entend. Pour les épaules, c'est stretch, mais pour le reste aussi, ça va cacher mes bourrelets. Le deuxième morceau que j'ai acheté chez Marshall, c'est une veste en jeans. Ben non, hein, pas de patch comme celle-là, ni de motif, ni de déchirure. Ben en fait, oui, il y a des déchirures, mais c'est une petite veste juste comme ça, ben simple. Puis dans le dos, ben, il est tout coupé. Ben, différentes longueurs. Salut boyfriend! Hey! Je trouvais ça quand même cool, puis je trouve qu'elle tire plus sous bleu celle-là que toutes les autres vestes de jeans que j'ai. Je la trouvais super belle, puis ben, les manches aussi sont brisées, fait que c'est hot. Hey. Ensuite, je suis allée chez Winners, mon magasin préféré de tous les magasins, parce que je trouve toujours un morceau, puis je fais pas comme les filles dans l'annonce qui le laissent sur le côté. Le bras! Le laisse pas là, je le prends! Donc le premier morceau, c'est une espèce de gilet rouge orange de Calvin Klein, ou comme dirait ma cousine Calvin Klein. Chaleur de toi, Marie! Fait que je l'ai pris parce que je le trouvais beau. Puis vous avez probablement vu ce morceau-là dans mon vlog la semaine passée. Parce que oui, je suis en amour, puis on dirait que je suis pas capable de pas le porter. J'ai été obligée de le cacher dans le fin fond de ma garde-robe pour faire sûr que je le porte pas littéralement tous les jours quand je reviens de la job. Parce que oui, il est confortable. Pas besoin de voler un gilet de gars, ni un. Ensuite, je me suis trouvé un petit pardessus transparent pour aller dans des festivals. Parce que pour la première fois de ma vie, je m'en vais à Lille Sonic cet été. Avec une de mes bonnes chums. Et puis ben je sais pas comment m'habiller, fait que je me suis dit gars, par dessus, ça va faire l'affaire avec des shorts pis une camisole. Fait que t'as un petit par dessus bien simple comme ça. Des manches. Avec de la broderie dessus. Puis dans le bas, ben y'a des franges. Hey, sais-tu que je pourrais couper ça pis me faire une belle abat-jour? Le dernier morceau de linge que je me suis acheté, ben c'était un petit manteau rose-ish, long. Qui fait penser un peu aux imperméables des gars qui vont vous flasher dans la rue sans que tu le demandes. Mais le mien est plus beau. Puis il est beaucoup plus propre et sanitaire. Fait que c'est un petit manteau comme ça pour le printemps. Puis je le trouvais super beau en rose. Hey, on me voit plus. Il est un petit peu lourd pour un manteau, mais je sens que pour le printemps, ben, ça va être bien parfait. Ou mettons si je sors cet automne aussi dans les soirées plus chic, which qui arrive jamais. Vous montrer mes plus grosses dépenses à Québec. Et j'ai appelé Sephora! Donc, j'ai fait une commande en ligne parce que je voulais vraiment avoir cette petite boîte d'échantillons-là. Parce que de un, je la trouvais super belle. Puis de deux, ben, elle est bien pleine d'échantillons. Puis ça, c'est rare. D'habitude, ils nous envoient dans un petit sac de plastique. Puis là, ben, j'étais bien contente de la recevoir dans une boîte. Puis en plus, c'est super belle, fait que je vais pouvoir la réutiliser. Quand j'ai fait ma commande en ligne, il fallait que j'achète pour un temps de montant. Ben, c'est tout le temps comme ça chez Sephora, faut toujours que tu achètes pour un montant si tu veux quelque chose de gratuit. Fait que je vais t'acheter le Bite Multistick en couleur Oyster Pearl. Ça fait un bâton multistick pour ceux qui le savent pas, ben ça te sert d'ombre à paupières, de fard à joues, puis de lèvres bobines. Non, de rouge à lèvres. J'ai aussi commandé le Shake and Shot de Dr. Jart. Je sais pas si je le prononce comme du monde. Mais c'est le Rubber Firming Mask. J'ai vu ça passer sur Instagram, puis j'étais un petit peu curieuse. La dernière affaire que je me suis achetée aussi, c'était le Fenty Beauty by Rihanna. C'est la couleur Spank. Et l'emballage est super cute comme ça. Une espèce de petit crisp. Ben, en fait, tous ces rouges à lèvres sont dans ce shape-là. J'aime ça. Puis c'est une couleur plus rose mauve foncé, si on veut. Puis je la porte assez fréquemment, fait que c'est pour ça qu'elle était un peu utilisée. Je suis désolée pour ça. Là, j'ai décidé d'aller chez Sephora parce que, hein,
J'en ai jamais assez. Donc je l'ai profité pour acheter des espèces de petits tatous qu'on peut placer sur notre chest. Mais pas trop bas, on s'attend, là, genre juste ici au niveau des clavicules. Pour le festival. Donc, hein, Eugenie, t'es pas prêt pour moi. Je n'ai aussi profité pour refaire un petit refill côté mascara et j'ai acheté le Better Than Sex Waterproof. Si t'es comme moi, pis c'est l'hiver, pis quand tu regardes la linge, ben tu te mets à pleurer les yeux ou... Pleurer les yeux. Tu peux pas pleurer des reins. Mais si t'es comme moi, pis tu pleures quand tu vas dehors à cause du soleil, du reflet du soleil sur la neige ou du vent ou peu importe parce que tu vois que le monde commence à y aller. Better Than Sex Waterproof. Si t'es pas familier avec ça, je te le présente. Mon meilleur ami. Ensuite, j'ai aussi trouvé un nouveau rouge à lèvres de Tarte. Puis c'est le Scuba Dive. Puis l'emballage, ben, c'est un espèce de semblant coquillage, mais ce n'est pas pantoute. C'est de plastique. Puis c'est un petit violette comme ça qui shine. Puis ça faisait longtemps que je me cherchais un parfum. À chaque fois que je n'essayais un, puis que je le sentais, il sentait super bon. C'était la meilleure affaire au monde. Puis dès que je le plaçais sur moi, ça sentait juste l'alcool à friction ou la mort. C'est-tu moi qui pue à longueur de nez ou. C'est pas si pire, je n'ai trouvé un qui est quand même très bon. C'est le Dolce & Gabbana. Ouh, l'accent qui sort du nez, là-dessus, fille. Oh! Puis, mon ancienne coloc m'a donné un rouge à lèvres parce que je pense qu'elle s'ennuyait beaucoup de moi ou que la tête, je savais que ça allait me faire. Fait que. Merci, Lisa, je t'adore fort! Tu me manques! Ah! C'est un rouge de la collection Viva Glam Sia. Fait que c'est ça. C'était mes achats. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Je sais que c'était un petit peu plus de plaisant pour vous, les gars. À moins que si c'est quelque chose qui vous intéresse, le maquillage puis le fashion, call me. We're gonna be best friends. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker, un petit thumbs up, hein, j'aime bien ça, ça me fait bien chaud au cœur. Sur ce, merci beaucoup, à la prochaine, bye! La dernière Dr. Jart. C'est juste le roller, le rouler sur tes poignets puis en arrière des oreilles et t'es all set pour la journée. Oh, j'ai ouvert puis ça sent. Oh. Vous savez, la chanteuse hein, qui se promène tout pète de même. Puis elle chante. I'm gonna sleep from the chandelier. Ben oui, je t'en garde là. Ouh.